Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui au Salon de Cannes. Je suis très heureux de vous accueillir donc sur l'Axo Park 45 Suntop. C'est la première mondiale, donc on le présente à Cannes pour la première mondiale. Pour ceux qui nous suivent, on avait présenté le 45 Cross Camille de l'année dernière. Et cette année, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le 45 Suntop. Et on a aussi également une autre nouveauté, l'Axo Park 45 Cross Top. Donc on est dans la baie de Cannes, au Salon de Cannes. C'est le premier jour, donc bienvenue à tous. Et on va faire une petite visite du bateau. Donc ce dernier est équipé avec l'option Brabus Line, donc avec les mains courantes noires, les montants noirs sur, au niveau de la galerie et plein d'autres détails. Au niveau du bain de soleil, sur la partie avant, on est avec sur le pack Méditerranée. Donc ça, c'est le revêtement un petit peu cossu que beaucoup de clients choisissent aujourd'hui. On a sur la partie avant un coussin additionnel et ici une très belle banquette, comme vous pouvez le constater, où on pourra se positionner à deux. C'est très agréable puisqu'on a les petits dossiers, les portes verts. Donc ça, c'est super bien fait. C'est très confortable et même en navigation, on pourra se positionner là puisqu'on est assez bien maintenu. Sur la partie arrière, on aura le bain de soleil. Donc ça aussi, c'est très agréable. Donc ça fait en fait deux espaces de vie. Donc ça, c'est super. Donc en fait, le bain de soleil, une très belle banquette qui pourra accueillir quatre personnes. Donc ça fait un très bel espace de vie. Au niveau du revêtement, on a un revêtement synthétique, donc qui est très soft, qui est très agréable au toucher. Voilà, ici on a les portes papillons de chaque côté que je vais vous montrer après. Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir le montrer tout de suite. Voilà. Donc ces dernières vont donner beaucoup de clarté. Donc on a les deux portes latérales de chaque côté pour accéder à la cabine avant. Voilà. Donc après, la différence entre le Suntop et le Cross Top. Donc là, sur le Suntop, on est avec le pare-brise qui est incliné comme ceci et qui laisse passer l'air à ce niveau-là, alors que le cross-top, on est sur un pare-brise qui est inversé et qui ne laisse pas passer l'air. Voilà, donc on retrouvera toujours les très belles passes avant de chaque côté. Ici, les montants noirs du fait qu'on a choisi le Brabus Line. Okay. On a les deux grands toits ouvrants ici. Voilà, qu'on va ouvrir ici avec une impulsion. Donc ça, c'est très pratique. Par-dessus, on a les galeries sur lesquelles on pourra accueillir un canoë kayak ou un paddle. Donc ça, c'est super bien fait. Un immense volume ici. Ici, de chaque côté, on a des portes latérales avec des coussins. Donc c'est plutôt sympa. On va pouvoir se positionner comme ça. Donc ça agrandit l'espace de vie. Et ça, c'est très agréable. On peut aussi accéder comme ça à la mer. Donc ça, c'est super bien. C'est très bien vu par Axopar. Et ça permet justement d'agrandir l'espace. Donc ça, c'est génial. On peut même plonger depuis cet espace-là. Et la bonne chose que le chantier a fait par rapport à d'autres concurrents, c'est que cette porte, en général, est plutôt sur la partie arrière. Là, elle a été concentrée au centre du bateau. Donc c'est beaucoup plus facile pour l'utiliser. C'est beaucoup plus convivial puisqu'on agrandit l'espace de vie ici pour déjeuner. Donc on a une grande table comme sur le 37 qui pourra accueillir 8 à 10 personnes. On a la banquette ici. Sous les banquettes, on a des coffres de rangement, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est super. Derrière, on a la cuisine. Donc cette dernière est équipée d'un évier ici. Voilà, un petit évier ici. En option ici, on pourra avoir un barbecue si on le souhaite. Et en partie basse, on a deux réfrigérateurs ici. Voilà, ça, c'est très bien vu. On a des grands tiroirs ici, ça c'est pas mal fait aussi. Et ce bateau est équipé de la version cabine arrière. Donc on a ici une très belle banquette. L'ouverture se fait électriquement, comme vous pouvez le constater. Donc on a un accès qui est génial puisqu'il est très, très spacieux. On a trois belles marches, donc ça c'est super bien fait. Voilà, ici on va pouvoir avoir un petit siège pour se changer ou se positionner. Et ensuite, on a un très grand lit ici qui peut être à la fois utilisé comme un salon, puisqu'on a les dossiers ici, ou comme lit. Donc on pourra s'allonger ici avec deux personnes. Donc ça, c'est super. On a deux grands hublots ouvrants ici. Et ici, la vitre sur la partie arrière du bateau, donc où on peut voir toute l'arrière du bateau, et en l'occurrence les moteurs et la mer. Donc ça, cette cabine est très spacieuse. Elle est vraiment bien équipée. Ici, elle est équipée d'un toilette. Alors là, dans cette configuration, le client n'a pas choisi le toilette, mais on peut avoir le toilette. Là, c'est juste un storage et on peut également avoir le toilette, ce que je recommande en option, puisque comme ça, on a deux toilettes séparées, un pour la cabine arrière et un pour la cabine avant. Voilà. On a des rangements un peu partout. On va aller maintenant sur la partie avant.
Donc déjà, on va faire un petit tour au niveau du tableau de bord. Donc le tableau de bord, il est super ergonomique. Donc ça, c'était la volonté du chantier, comme sur tous les modèles d'ailleurs. Ce qu'on trouve de très bien et ce qui a été vraiment amélioré, donc c'est déjà au niveau du design. Et surtout, la hauteur du pare-brise a été rabaissée, donc on a un peu descendu les écrans GPS de façon à optimiser la visibilité. Ça, c'est vraiment très, très bien vu. Tout est encastré, tout est vraiment joli, c'est super ergonomique. Donc on a les deux écrans 12 pouces Simrad avec la caméra arrière. Ici, le système de checking de chez Axopar. Ici, les informations moteurs. Ici, le système de batterie. Ici, on a la cartographie. Le bateau est équipé du système GPO ici, comme vous pouvez le constater. Ici, on a les commandes Mercury. Le volant, donc comme il est badgé Brabus, on a un volant qui est très fonctionnel et avec un système, un modem intelligent, puisqu'on va avoir la commande des propulseurs ici. On va avoir plein de commandes pour la musique. Tout est bien centralisé, c'est vraiment super bien fait. On a bien le volant en main. On est très sécurisé. C'est vraiment, on a une super position. Ça, c'est bravo Axopar. Et les qualités marines sont juste exceptionnelles. Et on garde, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos pour ceux qui me suivent, mais on garde toujours ce plaisir de conduire qui est vraiment super agréable avec une carène qui déjauge tout de suite sans forcer et qui va très bien. Moi, je l'avais de toute façon défini comme un avion de chasse et j'avoue que dans cette taille, c'est vraiment un bateau au niveau de la navigation qui, pour moi, et un des meilleurs bateaux en termes de navigation. Après, comme tous les bateaux, il y a des défauts, des choses qui plaisent ou qui ne plaisent pas, mais en tout cas, au niveau du design, au niveau de la coque et au niveau du rapport qualité-prix, je pense qu'on est très, très, très bien placé. Après, on va accéder donc à la cabine avant. Donc ici, cette dernière se caractérise par un petit salon sur le côté ici. On a les portes latérales, comme on l'avait précisé tout à l'heure, qu'on a ouvert. Un petit siège ici, là on a le lit, donc ce dernier peut se déployer et se transformer en salon. Bon, ici on a un peu des coussins, ici on a un rangement, voilà, on a un petit rangement ici. En partie haute, on a un évier, voilà, on a encore un petit rangement ici, voilà, et après on va accéder à la salle de bain. Donc cette dernière dispose dispose d'un toilette, d'un petit évier. On a la douchette ici, donc ça c'est très pratique. On a pas mal d'espace de rangement derrière, un miroir, ça c'est bien vu. On a une belle hauteur puisqu'on peut accéder. Voilà, je pense qu'on est. Moi je fais 1m73, donc je pense qu'on a 1m80. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc on est autonome et on peut prendre la douche, donc ça c'est super bien. Voilà, mais écoutez. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et je vous dis à tous une très bonne journée. Merci, salut, bonne journée.